Là-bas, un soir, j'ai une vision. Il s'agissait d'une femme charmante et jolie, qui paraissait jeune. Elle avait sa main comme ceci et s'en allait d'une crise cardiaque. Une belle femme. Elle s'affaissa et expira. Et l'ange du Seigneur m'a dit, quand tu entendras parler d'elle, souviens-toi qu'on dira qu'elle s'est suicidée. Mais sache que le mort d'une crise cardiaque. Il est presque 4 heures, ainsi tu peux dire 4 heures, et ensuite il m'a quitté. Je n'ai pas réveillé la famille dans le petit campement de cowboys où l'on serait trouvé pour rassembler le bétail. Je les ai laissés dormir jusqu'au matin. Le jour suivant, je leur ai raconté et j'ai dit, une certaine jeune femme très séduisante va mourir d'une crise cardiaque. Et sur la route, 2 jours plus tard, on entend à la radio que cette mademoiselle. Je ne peux pas me rappeler son nom. Monroe, Madame Monroe. Je pense que c'était son nom d'artiste. Elle devait s'appeler autrement. On annonce qu'elle était morte et qu'elle s'était suicidée. Or, peu importe combien de fois je le dirai, il continue à dire qu'elle s'est suicidée. Mais cette jeune femme ne l'a pas fait. Elle est morte d'une crise cardiaque. Et si vous pouvez voir, elle avait sa main tendue pour essayer d'atteindre le téléphone dans sa main. Elle a eu une crise cardiaque. Ils ont dit que le somnifère était là. Elle avait pris dans sa flacon pendant un mois, voyez, ou plus. Mais elle est morte d'une crise cardiaque. Elle est décédée environ 4 à 5 secondes avant 4 heures exactement. Et je lis le reste de sa vie dans une revue. Il était dit qu'elle était une enfant illégitime, qu'elle avait beaucoup de vaisselle, que sa mère était dans une maison d'aliénés, et qu'elle avait soupiré après. Elle était la femme qui avait le corps le plus parfait au monde, je pense. Mais elle soupirait après quelque chose que l'argent ne pouvait lui procurer. Je pensais, oh, combien j'aurais souhaité pouvoir la rencontrer. Je sais de quoi elle avait besoin. Vous êtes peut-être que de membres d'église renommés, meilleurs d'Hollywood, avec toutes leurs décorations cliquantes. Mais ils virent ces gens. Elles peuvent voir qu'ils ne vivaient pas différents d'elles. Il faut de l'influence. Il faut la puissance de la résurrection de Christ parmi les gens pour qu'ils voient que Christ n'est pas une statue suspendue dans un bâtiment, mais qu'il est un être vivant dans la forme du Saint-Esprit. Vivant dans les hommes et les femmes, apportant la paix, le contentement et le bonheur. Oh, si seulement nous avions pu arriver vers cette jeune dame avant qu'elle ne quitte ce monde.